Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la semaine de la maternelle, je vous propose une capsule autour de la question de comment jouer finalement avec les sons à l'école maternelle, comment réaliser un travail avec les élèves en maternelle autour de cette matière particulière que sont les sons. Dans un premier temps, peut-être se remettre quelques éléments en tête autour des programmes, notamment la présence justement de la question de la musique et la question du travail du son dans les textes et plus particulièrement dans les programmes. Évidemment, la question de la musique traverse l'ensemble des 5 domaines de l'école maternelle, mais on trouve une mention plus particulière autour du troisième domaine autour de agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques et notamment l'entrée qui est intitulée Univers sonore, où on trouve bien des verbes qui sont très intéressants, des notions intéressantes, jouer avec sa voix. On verra lors d'une autre capsule justement l'intérêt et comment est-ce qu'on peut jouer avec sa voix à l'école maternelle. Et puis il y a la dimension d'exploration des instruments, l'utilisation de la sonorité du corps et enfin affiner son écoute. Là également, avec les attendus de 20 cycles, on retrouve bien un certain nombre de verbes d'action intéressants, donc on retrouve le jouer avec sa voix. Et puis repérer, reproduire corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples, par exemple, décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. On voit bien un travail justement d'exploration du son et puis d'essayer de mettre des mots sur les sons qui sont perçus et produits par les enfants. Le son comme objet de travail, donc c'est la proposition qui est faite déjà dans les textes. Quand on parle des sons, justement, c'est déjà se poser la question, au fond, qu'est-ce qu'on entend par son? Quel travail, finalement, on peut mener avec des enfants? Et justement, comment on va se rapprocher, finalement, de cette matière première qu'est le son, qui est une matière première qui est assez particulière, particulière à plusieurs égards. D'abord, le fait que le son est une onde, un déplacement d'air, et que ce déplacement d'air est de fait invisible. Donc on travaille finalement une matière qui est elle-même complètement invisible, mais qu'on peut qualifier, qu'on peut travailler, qu'on peut discriminer à travers plusieurs paramètres. Et traditionnellement, on a toujours une entrée dans les paramètres du son découpée en quatre entrées, en quatre paramètres bien particuliers. Le son qu'on perçoit, les enfants perçoivent et nous percevons les sons et nous pouvons les discriminer selon quatre critères. Le premier critère, on le prend au hasard, c'est le critère des hauteurs, c'est-à-dire je perçois un son et je l'entends plutôt aigu, plutôt grave. C'est un paramètre que les physiciens observent et parviennent à mesurer, et l'unité de mesure des hauteurs, ce sont les hertz. Et les enfants perçoivent très bien cette diversité de hauteurs, ils perçoivent très bien l'évolution du son dans les hauteurs, la modulation du son dans les hauteurs. Et donc on a un premier observable, en tout cas, et un premier travail à réaliser autour de la question des hauteurs de son. Le second paramètre, qui est un paramètre aussi facilement identifiable, c'est le paramètre des intensités. C'est-à-dire que quand je perçois un son, je l'entends dans son intensité, il est fort, il est doux, de plus en plus fort, de moins en moins fort, ce qu'on appelle en musique crescendo, décrescendo. Et donc on mesure également, avec une unité de mesure spécifique, que sont les décibels. La troisième entrée, le troisième paramètre, c'est la question des durées. Un son s'inscrit toujours dans une durée. Il a un début, une fin, il se passe quelque chose au milieu, et la durée peut être courte, longue,
Et là, on entre dans la dimension musicale que l'on nomme dans le monde musical autour des questions de rythme, de pulsation, de tempo, etc. Et enfin, dernier paramètre important, intéressant, le son a toujours un timbre. C'est-à-dire que quand on produit un son, il y a toujours un objet, bien sûr, qui produit le son. Et cet objet produit un son bien spécifique, un son qui est propre à cet objet. Et la question du timbre, justement, c'est ce qui nous permet de discriminer, de reconnaître finalement ce qui produit le son. Un son métallique, par exemple, un son strident, un son humain ou au contraire réalisé par un objet. La question du timbre, justement, nous permet de discriminer, de placer les sons finalement dans l'origine de ce qui produit le son. La question du timbre, c'est aussi ce qui nous permet de discriminer différentes voix des personnes, des personnages qui ont des voix bien caractéristiques, bien spécifiques, et ces voix nous permettent de reconnaître ces personnages. Quand on parle du son, bien sûr, ces éléments théoriques, ces éléments physiques sont très importants, il est important de les avoir en tête. Et un autre élément qui est important d'avoir en tête, c'est justement le rapport que les enfants entretiennent avec le son. Et pour ça, j'ai souhaité finalement revenir au début de la perception du son chez les enfants. Et on oublie souvent que parmi les différents sens que les enfants développent progressivement, plus ils grandissent, la perception des sons, donc l'ouïe, fait partie des premiers sens développés par les enfants. Et ce sens se développe in utero, autour du 4e mois de grossesse à peu près. On le sait aujourd'hui, et on le sait de mieux en mieux encore aujourd'hui, les fœtus, dès le 4e mois à peu près, perçoivent les sons intérieurs de l'organisme de la maman. Le battement de cœur, la digestion, etc. Et progressivement, ils perçoivent également les sons extérieurs qui arrivent à traverser finalement le placenta. Et les enfants réagissent au son. On les voit bondir, on les voit réagir hein, aux stimulations auditives. Et puis surtout, ce qu'on a mesuré aussi, c'est la capacité que les fœtus ont de mémoriser les sons qu'ils ont perçus in utero. Ils mémorisent très bien le timbre de la maman, du papa, des personnes qui sont autour de lui avant sa naissance, au point qu'ils reconnaissent et qu'ils ne se trompent pas finalement quand plusieurs personnes les appellent, ils reconnaissent la voix de la maman et puis des personnes qui étaient autour de lui in utero. D'autres expériences nous montrent également que les enfants sont tout à fait capables de mémoriser des mélodies, des musiques entendues ou chantées par la maman ou entendues parce que diffusées autour de l'enfant régulièrement, et qu'ils le reconnaissent et qu'ils réagissent à ces musiques, à ces chants, à ces mélodies lorsqu'ils sont nés. Donc un rapport au son finalement très présent dans le développement de l'enfant et très présent avant la naissance de l'enfant. Après la naissance, évidemment, l'enfant continue justement à avoir un rapport très très proche avec les sons. Les nourrissons sont très attentifs au son et ils réagissent au son environnant. Et surtout, on remarque que les enfants, les nourrissons, préfèrent finalement des ambiances sonores régulières. Finalement, ils sont assez rassurés dans un univers assez, assez sonore, assez bougeant, plutôt que dans le silence complet, qui est quelque chose finalement qu'ils vont découvrir petit à petit. Évidemment, l'enfant est à l'écoute de toutes les sollicitations sonores hein, qui sont autour de lui, et puis petit à petit, il va se rendre compte que grâce au son, il va pouvoir communiquer avec son environnement. Et petit à petit, il va lui-même chercher à explorer tous les sons qu'il peut produire
en jouant avec sa voix, en jouant avec son corps, en jouant, en interagissant avec ses proches en fonction des sons qu'il va pouvoir produire. Donc un rapport finalement assez quotidien, assez ludique aussi de l'enfant et petit à petit la conscience que grâce au son, il va pouvoir interagir avec, avec son environnement. Chez le jeune enfant, et très rapidement finalement, hein, les enfants vont chercher à entendre et à écouter de plus en plus finement les sons qu'ils perçoivent autour d'eux, et surtout à faire le lien entre un son entendu et puis la cause de ce son. Et petit à petit, ils vont chercher aussi à reproduire ces sons, à être en interaction avec ces sons par un jeu de j'entends un son, j'essaye de le refaire, et puis je compare finalement le son que j'ai produit avec ma bouche par rapport au son entendu, et ce cycle finalement, cette boucle que les enfants commencent à mettre en œuvre ici, c'est ce que Alfred Tomatis appelle la boucle audiophonatoire. C'est-à-dire que j'entends du son, je produis du son, et mon oreille réécoute le son que je viens de produire, compare par rapport au modèle, et petit à petit, l'enfant précise, affine le son qu'il est en train de produire. Le rapport aux objets, évidemment, ici, est important, puisque je perçois un son, je l'associe à un objet, et je vais pouvoir reproduire le son, ou jouer avec le son, avec un objet qui se rapproche de l'objet d'origine. L'exemple de la voiture est de ce point de vue-là tout à fait intéressant. L'enfant perçoit le bruit de la voiture, il associe le bruit de la voiture à l'objet voiture, il essaye de lui-même reproduire le bruit de la voiture et lorsqu'il va jouer avec la petite voiture, il va associer le son qu'il produit lui-même avec l'objet voiture. Et donc il va essayer de jouer avec le son comme il joue avec l'objet, comme il joue avec le jouet, en arrivant même à produire des sons différents en fonction des objets qu'il va utiliser. Les enfants, quand on les écoute jouer, on se rend compte qu'ils font un bruit spécifique pour la voiture, un autre bruit spécifique différent pour un camion par exemple, ou pour une moto, et on voit bien qu'ils arrivent à varier, à moduler les sons qu'ils produisent en fonction des objets qu'ils utilisent et avec lesquels ils sont en train de jouer. Fort de tout ça, maintenant on va pouvoir se poser la question de comment est-ce qu'on va travailler ce rapport au son à l'école maternelle. Donc on voit bien l'importance dans le développement de l'enfant et dans les apprentissages en général à l'école maternelle. La question c'est comment est-ce qu'on va travailler avec les enfants? Et l'idée, finalement, que je propose ici, c'est d'avoir une activité ritualisée d'attention au son. C'est-à-dire de régulièrement, dès le plus jeune âge, finalement, de toujours être en éveil, d'être toujours en écoute, finalement, de l'environnement sonore des enfants. Le premier environnement sonore, évidemment, celui qu'on va pouvoir mobiliser simplement quand on est à l'école, bah c'est déjà les bruits de l'école. Qu'est-ce qu'on entend quand on est dans la classe? Est-ce qu'on entend la classe d'à côté? Est-ce qu'on entend la cour de récréation? Etc. Et puis petit à petit, on peut amener l'enfant à s'interroger sur les bruits dans ses déplacements, quand il vient à l'école, quand il repart de l'école, etc. La deuxième entrée, c'est finalement d'accompagner, de continuer le travail d'observation des enfants sur les objets de la vie courante. Quels sont, font les objets de la vie courante? On l'a vu tout à l'heure avec la question de la voiture, on peut prendre d'autres objets usuels, les objets de la classe, et s'interroger finalement sur les sons produits par ces objets. En poursuivant encore, on peut aller du côté de la question de quels sons font les animaux, par exemple, ou d'autres éléments vivants ou non vivants, pour finalement constituer petit à petit une observation de plus en plus large et de plus en plus fine et de plus en plus diversifiée.
La quatrième proposition d'activité ritualisée, c'est aussi de confronter l'enfant à des objets simples, usuels encore une fois, et de s'interroger collectivement sur la manière de faire sonner tel ou tel objet. Un peu sous, en suivant l'idée d'un objet mystère. On prendrait un objet usuel et on irait se poser la question de comment est-ce qu'on va le faire sonner cet objet. Comment est-ce qu'on peut agir sur l'objet pour produire du son? Et là, on va entrer justement dans les verbes d'action qu'on va retrouver régulièrement autour du frotter, gratter, souffler, déchirer, frapper, etc., qui vont nous permettre justement de développer la conscience autour des sons et la diversité des sons possibles que nous pouvons produire à partir d'un objet simple. Encore une fois, l'idée est de se constituer petit à petit des réservoirs de sons. D'abord une attention au son, bien sûr, mais aussi de se constituer un réservoir de sons, de développer l'attention au son et surtout de soutenir les enfants dans leur observation quotidienne et d'accompagner finalement cette observation quotidienne en rattachant à chaque fois du vocabulaire, des mots, des images, leur permettant de continuer cette exploration à l'école ou en dehors de l'école. Pour aller plus loin, l'idée est finalement de jouer aussi en classe avec ces sons. Et là, on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. On trouve ça et là, par exemple, des jeux qui permettent d'associer une image à un son. Par exemple, l'idée des lotos sonores, des imagiers sonores qu'on peut réaliser en classe autour de thématiques simples, des objets usuels, des animaux, des personnages, etc. Et l'idée est de permettre aux enfants finalement d'associer des sons à un objet qui lui est qu'on peut associer. La question aussi qu'on peut poser et sur laquelle on peut travailler avec les enfants, c'est à partir d'un son qui est connu, comment est-ce qu'on peut agir sur ce son connu pour le modifier? Un exemple, lorsque la voiture fait tel son, que se passe-t-il? Quelle modification est apportée lorsque la voiture s'approche ou lorsqu'elle s'éloigne? Et là, on rentre dans une dimension un petit peu plus fine, une discrimination un peu plus fine, d'un son en mouvement, qui va être de plus en plus fort ou de moins en moins fort, par exemple. Et enfin, pour aller encore plus loin, on peut aller sur un travail à partir d'images et de s'interroger finalement sur, dans cette image, quels seraient les sons possiblement entendables si on imaginait que l'image qui est fixe puisse nous apporter, si on pouvait apporter une dimension sonore à cette image fixe. Comment est-ce qu'on pourrait entendre ce qui se passe dans cette image? C'est aller en direction de ce que Murray Schafer appelle des paysages sonores. Lorsqu'on observe un paysage, on observe bien sûr l'image de ce paysage, mais on observe également avec nos autres sens le paysage, à travers la sensation de fraîcheur ou de chaleur. Mais également les sons qui caractérisent le lieu qu'on observe. Et c'est à partir de cette idée de paysage sonore qu'on peut se diriger vers un travail un peu plus précis ou un peu plus structuré ou un peu plus développé à partir par exemple d'albums de littérature de jeunesse. Comment est-ce qu'on peut travailler donc les sons? Si on va essayer de prendre un cas pratique. Justement. Lorsqu'on lit des albums de littérature de jeunesse, là je vous propose de travailler à partir d'une image extraite de C'est moi le plus fort de Mario Ramos. Bien sûr, on lit l'histoire avec les différents personnages, avec le narrateur, le loup ici en l'occurrence, mais peut-être avant d'entrer ou en parallèle de ce travail de connaissance et d'appropriation finalement de l'histoire,
C'est aussi, donc en parallèle, de faire un travail de lecture d'image, mais de faire une lecture d'image sonore. Ici, dans l'image, on a un paysage. Le loup, qu'on voit là, à l'image, est dans un contexte. Il est dans un contexte d'un bois, d'une forêt. Il se promène. Et justement, l'idée est peut-être de se poser la question, mais au fond, quand on se promène dans les bois, quels sont les sons qu'on va pouvoir entendre? Et à partir de là, on va pouvoir imaginer, avec les élèves, justement ce paysage sonore dont je parlais précédemment. Et ici, dans le paysage sonore, on voit des choses qui sont bien présentes dans l'image. Le petit oiseau sur sa branche, qui peut chanter, qui peut émettre des sons. Et puis on peut imaginer justement le bruit de la forêt, les arbres qui bougent, les pas du loup sur des feuilles ou des branches, etc. Donc on peut imaginer donc ce paysage sonore qui va accompagner la lecture ou le récit présent dans l'album. Donc la démarche est simple. On observe l'image. Que voit-on à l'image? Où est-ce que nous nous trouvons? Et du coup, on essaye de faire un inventaire un peu de tous les sons présents et on essaye de produire les sons. Et là, pour la production des sons, on va pouvoir se servir de la voix, déjà, premier outil hein, de production de sons. Le corps, évidemment, qui va également pouvoir produire des sons en lien avec l'image. Et puis, tous les objets qu'on a pu observer et à partir desquels on a travaillé précédemment dans les activités ritualisées pour pouvoir justement essayer de recréer les sons qui seraient présents à l'image. Dans les activités ritualisées, ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est d'explorer tout ce que les objets peuvent produire. Une feuille de papier peut produire différentes type de son en fonction des gestes qu'on a. La feuille, je la froisse, la feuille, je la déchire, la feuille, je l'agite et elle produit des sons différents, des caractéristiques sonores qui vont être très différentes. Et ces caractéristiques sonores peuvent nous renvoyer à des images, peuvent nous renvoyer à des actions, peuvent nous renvoyer à des situations qu'on va pouvoir rencontrer communément. Et donc, ici, dans l'activité du paysage sonore, on va essayer justement de recréer ce paysage sonore avec l'ensemble des outils à notre disposition, que je redonne, hein, la voix, le corps, et puis les objets usuels à partir desquels on aura produit des sons. Autre dimension qui est aussi intéressante, et à partir de laquelle aussi on peut travailler assez simplement avec les enfants, c'est la question de finalement de la caractérisation des personnages quand on lit une histoire. Ça, c'est quelque chose que l'on fait assez intuitivement finalement dans la lecture des albums avec les élèves. C'est d'essayer de mettre une voix particulière aux personnages qu'on rencontre dans l'histoire. Et dans l'album de Mario Ramos, ce qui est intéressant, c'est que le loup finalement personnage déjà particulier, rencontre différents types de personnages. Et dans l'idée, c'est d'essayer justement de caractériser chaque personnage en trouvant une voix qui serait la plus adaptée. Le loup, on va essayer de le caractériser en lui donnant une voix de telle ou telle façon, en jouant justement sur les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce que le loup a une voix aiguë ou grave? Est-ce qu'il va avoir une voix forte ou douce? Est-ce qu'il va parler rapidement ou lentement? Et est-ce qu'on va le qualifier avec un certain timbre, une certaine façon de placer la voix qui vont nous permettre de reconnaître dans la voix le personnage du loup? Même chose pour le lapin. Là, on voit bien comment, à l'image, le loup est très grand alors que le lapin est tout petit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'un personnage qui est tout petit, quel impact le fait de sa petite taille va avoir sur sa voix. Et si on ne va pas être dans un paysage sonore, mais bien dans un travail d'observation, de lecture,
des personnages et essayer de déduire justement une voix particulière de façon à caractériser ces personnages. En conclusion, ce qu'on peut retenir finalement de ce rapport des enfants au son, c'est d'abord le fait de ne pas oublier que les élèves, les jeunes enfants sont extrêmement sensibles au son et qu'ils ont une habitude de jouer avec les sons. Ils ne nous attendent pas pour faire ce travail, évidemment, et que cette exploration des sons par les enfants est absolument essentielle pour eux dans leur rapport au réel, dans leur rapport aux objets, dans leur rapport aux autres personnes, et puis dans finalement le prolongement hein, de ce travail avec les sons qui va jusqu'à la création du langage, jusqu'à l'appropriation du langage et l'utilisation du langage. De ce fait, notre rôle finalement consiste à poursuivre avec eux ce travail de curiosité des sons, bien sûr, de confirmer l'importance de jouer avec les sons, de les conforter dans l'idée que c'est essentiel de jouer avec les sons, de faire des liens constamment entre les sons entendus, les objets qui les produisent, et puis de mettre les mots qui vont permettre de faire du lien entre tout ça. Enfin, l'idée, c'est aussi de développer, donc comme je le disais, ce travail autour des sons, mais de leur permettre aussi d'organiser, de structurer ces sons, de les mettre en cohérence les uns avec les autres, de les superposer, de les juxtaposer. Et le travail sur l'album, c'est-à-dire sur le paysage sonore, va permettre justement d'organiser des trames sonores qui vont combiner des sons qui vont permettre aux enfants de superposer des sons différents ou de juxtaposer des sons différents pour aller dans le sens de l'histoire. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette capsule autour du travail sonore en maternelle vous aura donné envie d'aller un peu plus loin. Et évidemment, je reste à votre disposition pour plus d'informations et plus de pistes pédagogiques autour de la question du son à l'école maternelle.